Une photo du mariage de Sadio Mané fait actuellement état de beaucoup de critiques sur la toile. À ce qui paraît, Sadio Mané se serait marié à une femme plus vieille que lui. Cette nouvelle fait beaucoup de polémiques et on se demande pourquoi. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je dis bien jusqu'à la fin, pour avoir toute l'intégralité sur le sujet. Alors que l'équipe nationale sénégalaise se prépare à rejoindre la Côte d'Ivoire pour participer à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, l'attaquant sénégalais aurait choisi ce moment significatif de l'histoire du football africain pour officialiser son union en toute discrétion. Le samedi 6 et dimanche 7 janvier prochain ont été sélectionnés par Sadio Mané pour célébrer son mariage, selon une source proche de la star du football qui a préféré rester anonyme. Sous le voile de l'anonymat, cet intime de Niantio révèle que la chanceuse élue qui a conquis le cœur du joueur d'Al Nassr est une Casamançaise portant le nom de famille Tamba. Cela suscite la curiosité et les critiques du public sénégalais et international après la publication de la photo du mariage traditionnel de l'international. Il est à rappeler que c'était en octobre 2023 que ce mariage était célébré, à Bambili, une localité du Sénégal. Sadio Mané est connu pour sa discrétion en ce qui concerne sa vie personnelle, notamment en ce qui concerne ses relations amoureuses et son mariage. Il n'a pas partagé publiquement d'informations sur sa vie amoureuse ou un potentiel mariage. En tant que responsable de son fan club ou admirateur, il est important de respecter sa vie privée et de ne pas spéculer sur des sujets personnels qui n'ont pas été partagés par l'intéressé lui-même. Mané préfère garder ses relations et ses activités en dehors des terrains de football privé. Par conséquent, peu d'informations officielles ont été divulguées sur ses relations amoureuses, sa famille ou son mariage. Il ne nous reste plus qu'à attendre le 6 et 7 janvier pour voir si la rumeur est